Comme mesdames et messieurs, go bonjour et bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est vendredi 23 juin 2023. Et nous comptons avec vous pour nous porter une nouvelle vidéo. Ça pour vous, comme d'habitude, chaque jour, bon Dieu mette, nous apporter information pour vous. Mais avant tout, nous disons grand merci à tous les amis compatriotes qui pas jamais lagué nous, qui toujours rete à suivre Chanel Sa, TV La Kay Haiti.com. Nous porter un pile de détails pour vous, un pile d'informations concernant. Eh bien, grosse action que et donc qui prend là contre un gros bourgeois dans le pays avec et donc plusieurs chefs gang, mesdames et messieurs, et qui eh bien mettaient pays à tête en bas là pour classer un gros homme d'affaires dans le pays à eh bien ensemble avec divers chefs gang qui yo eh bien sanctionné qui donc son pays difficile, son pays tête chargée parce que l'on pas mais des bagages pour attendre dans pays ça pour sanctionner des hommes d'affaires des nèg qui là pour créer job dans pays ya des nèg qui gagne moyen et puis je dis à là pour ces international là qui sanctionner nèg ça parce que yo na confié à gang yo na kidnapping yo na vol yo na drogue et puis ou gagne pour ça pas retirer un sous nèg parce que yo à l'aise yo habitué à genre des situations ça yo ben la vidéo ça mesdames et messieurs amis fanatiques TV la Haiti comme nous parler invité au détail parce que des sanctions qui fait prendre la compte là bas 100 jours et donc compte ISO divers lot chef gang encore dans pays ensemble avec eh bien un gros bourgeois que nous va inviter découvrir dans vidéo ça et puis tout gagnant dans ces muscadin je dis assez anniversaire muscadin selon Esaü César eh bien je dis là nous connaît muscadin qui recevra nouveau blendé et tété ak diaspora te promet li oui blendé ça entré il nan men commissaire je dis là commissaire déjà a eh ben épapier col dans tout département là là surtout pour gagner fête eh ben je dis là muscadé mesdames et messieurs monsieur Sementé l'a continue frapper malgré le pas de blendé il te a rasé nèg yo rouser nèg yo je dis là blendé qui donc c'est 4 fois plus mal il va continuer mettre sucre sous bonbon vagabond vagabonde dans pays ça en temps de causer n'a tourner je dis là il faut que nous dit que nous démarrer sur notre ça et c'est anniversaire et ben un gros garçon qui c'est Jean Ernest Muscadin m'a demandé pour un gros cloche pour Muscadin l'homme next time, nous connaît qui fait la une de l'actualité, qui fait combien l'année, à goumer avec Bandi, qui lui-même, jeudi à la, c'est anniversaire, monsieur. Donc, nous devons, jeudi à la, fait connaître, jeudi à la, next ça, et lui, une place spéciale dans ma débat. Même j'en ai une place spéciale dans le pays. Donc, nous voulons saluer, et gros garçon, ça, c'est pas les mouns qui pour nous dire que mouns n'ont été le pays. Jean-Ernest Muscadin, eh ben nèg sa qui sont grand homme cap goumen pour pays a avancer sous plan sécurité donc comme li toujours dit eh ben ni plan li même c'est yon territoire cimetière pour tout bandi cap ferraille en dans pays a et li prouvé ça li c'est yon moun qui travaille pour que li mette sécurité dans communauté par là dans département ni plan eh bien dans même sens tout le coup désir comme nous dans niveau ça n'a parlé n'a pas parlé sous question police nationale d'Haïti. Le directeur général de la police nationale, en l'occurrence, M. Franz Elbe, eh bien, monsieur est déplacé l'aller Washington DC dans le cadre d'une mission. Donc, il désigné, dans le moment où on a parlé là, monsieur et l'inspecteur général Frédéric Lecomte, directeur central de la police judiciaire, eh bien, pour capable assurer intérimaire. Il y a pile question qu'a posé, il y a pile monde qui pas comprendre ça qui passé hein. Mais d'ordinaire, faut que me dit que depuis directeur général la police là a déplacé, même j'ai avec les premiers ministres a déplacé, lui toujours désigné un monde qui est dans le gouvernement, un monde qui dans cabinet, qui dans recommandement la police là, mais faut qu'on dire que c'est un monde qui pour remplacer là et pour remplacer l'aile déplacée, mais c'est un monde mais qui comme directeur central. OK? C'est des directeurs centraux, par exemple, de CPI à l'aile déplacée. Allô? Oui, mais parle, oui. Et par exemple, c'est le directeur central de la police administrative, à savoir le DCPA, ou bien le directeur central de la police judiciaire, ou bien le directeur et d'autres directeurs centraux.
OK, qui capable remplacer directeur général là, le déplacer. Donc c'est le cas de le dire. Donc il est déplacé jeudi à la, il est déplacé depuis hier 22 à pour jusqu'à 25 et juin qui a fini là. Donc c'est Frédéric Lecomte qui a assuré intérimaire. Même genre avec un premier ministre qui déplacé, il faut quitter le premier ministre financier. Mais comme il déplace avec le ministre financier, il quitte le ministre Larsen, 84 l'année. OK, il y a des gens qui craignent que M. Larsen n'aime pas faire un voile pour payer ce chapeau dans la mesure où nous connaissons. Si nous avons l'argent pour sur le lycée, bon. Donc, en plus, nous avons posé des questions. Vous connaissez, est-ce que nous avons gagné la pipi? Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent que nous avons pissé sur lui. Donc, il y a besoin de comprendre est-ce que Larsen a capté tout le monde avec pression qui gagne dans le pays. Mais, Ariel Henry, eh bien, nous connaissons, malgré toute pression, Ariel Henry, qui est red, qui est kill en ganache. Vous avez dit que vous là, c'est le tel fort, et le louko dit, et c'est le louko dit, et l'international se perd. L'international se perd, et vraiment, l'international a perduré, parce que, n'est-ce que le docteur Ariel Henry, c'est un nègre qui a dribblé tout le monde, et bien, il pensait que, et même j'avais jamais travaillé, c'était pensé, il était capable de dribbler. Et dribbler, et on nous dit, et l'international, et l'international a gagné en raison de lui, côté, il n'a pas le mari complot avec une année qui a pris section contre lui là, à savoir, monsieur Andy Aped, eh ben, dans 2004, n'a eu chaviré Jean-Bertrand Aristide. Eh ben, c'est juste à capter la journée de là, l'international senti embarrassé avec Ariel Henry, mais il n'a pas joué une formule pour capable garder comment il est capable, eh ben, et retirer Ariel Henry, comme premier ministre. Mais, dans le moment où on a parlé là-tout, c'est que, il y a des réflexions qui ont fait, il y a des rencontres qui ont fait sur le plan international. International l'a divisé sur question de la Ésaü, oui. C'est pas pour sa raison, oui. Madame Martine Moïse a voté plainte hier, OK, dans le tribunal fédéral, donc aux États-Unis. Et pas pour sa raison. En clair. Et l'avocat a précisé, il vient voter plainte contre les concernés. OK? Qui t'a équipé, qui t'a assassiné Maril, mais il n'y a pas de non-concerné. Ça très c'est important, ça me dit là. Très important. Très important. Et madame, non, pas jamais longer douette sous gouvernement. Pas longer douette sous gouvernement. Toujours. Comme, OK? Comme, non, mais des mouns, non, ni toujours longer douette sous docteur Ariel Henry, toujours. Oui. Sous docteur Ariel Henry, comme moun qui, selon lui-même, t'a gagné d'être trempé, même l'elle pas tellement clair, OK? Et l'elle a bas interview avec France 24 là, maintenant, et madame Martine Moïse, mais pote plainte, et ça pral, mette international là, dans petit soulier li, côté, je vous dis là, monsieur a réfléchi son plan de sortie de crise 1. Est-ce que c'est pour une sortie de crise qui pral gagner, docteur Ariel Henry, comme un acteur important en deux crises là? Après deux années qu'il fait à diriger PIA, qui ça a eu bail, qui ça qui a abouti, est-ce que lui planifié pour question organisation des élections? Donc, en réparation de l'arrivée fait, je ne veux dire là, l'international s'est-il embarrassé. Donc, Kounia là, qui ça peut passer? C'est moi-même ou même qui a réfléchi pour PIA, est-ce que c'est nous-mêmes qui avons force pour nous capables de connaître et par rapport avec est-ce qu'il y a opposition? Est-ce qu'il y a opposition en compact pour capable goumer avec docteur Ariel Henry pour pousser Dole vraiment et vers la primature, de la primature en dehors de ce pays, en dehors du pouvoir. Donc, un fait est clair, c'est que jusqu'à date, dans le moment où on a parlé là, c'est que, en plus, on ne sait pas comment l'opposition qu'il a est prêt capable de pousser Dole docteur Ariel Henry pendant que l'a joué avec un pile nègre en opposition. Donc, je veux dire, la situation va paraître corsée, mais c'est l'international, comme eux-mêmes, et qui t'a appuyé, n'est-ce pas vrai, mais qui a supporté docteur Ariel Henry dans toute action. Je voulais dire là, par rapport avec envolé que dossier apprend, dossier Jovenel Moïse, nous connaissons qui va gagner de l'année depuis qu'il a assassiné le président Jovenel Moïse, et que M. Jarre, qui c'est un homme d'affaires, ancien drug dealer, qui était agent DEA, qui était informateur DEA, M. Volet drug DEA, maintenant, M. Ta confirmé que lui-même il participait en clair dans l'assassinat de Jovenel Moïse et que Jovenel Moïse a condamné Michel pour le passer toute ville en prison. Maintenant, même Jean Sali même, t'a cité nommément le nom de Badio, de M. Badio, comme monde qui t'a qui t'a impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Maintenant, même envolé à tout, mais Jean t'a cité que
et docteur Ariel Henry t'est parlé selon lui-même avec monsieur Badio pour être capable de déplacer quitter pays là. Donc et est-ce que docteur Ariel Henry t'est mené une telle démarche, nous pas connaît. Mais un fait est clair, c'est que journée aujourd'hui là, c'est que situation paraît très 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 corsée pour le docteur Ariel Henry qui lui-même t'a gagné pour le prouver devant la justice, t'as gagné pour le prouver devant la justice haïtienne, t'as gagné pour le prouver devant la justice et à l'étranger, si vraiment il pas doit être trempé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, nous connaissons c'est comme ça est. Donc, nous connaissons les sanctions qui prend contre divers mouns et là-dedans, Andy Aped et Iso et Vite l'Homme et consorts. Donc, je ne veux dire là, situation ça, sanctions ça, qui ça a pas servi. À qui ça va servir? Est-ce que M. Sayo, il prend sanction contre lui et puis c'est fini? Est-ce que l'État haïtien, par le biais de la justice haïtienne, prend capable, n'est-ce pas, de faire suivi de même sanction Sayo? Nous connaissons pile sanction qui prend déjà compte des anciens sénateurs et des drug dealers en d'un pays. Qui ça qui fait? En d'un pays, Moun Sayo, il prend sanction contre lui, il a toujours vaqué à l'occupation sans problème. Donc, un fait est clair, c'est que je dis à la pays, et bien, face à la situation qui est là, c'est que bah, pas facile, bah, pas clair pour la population. Seul bagaille, c'est que et tout le monde a bien vivre dans le gouvernement, mais que Dr. Ariel Henry lui-même a tourné en pigeon voyageur, la voyager à travers le monde, s'est fait petit photo, on a présenté belle petite photo avec chef d'État, avec chef de gouvernement. Et ça, c'est ça qui a pris là. Et puis, le peuple croupit dans la misère. Maintenant, vous connaissez, c'est comme sa situation est. Maintenant, là, la région métropolitaine de Port-au-Prince nous connaît face à envolée qui gagne dans la question Bois-Caléa, eh bien, et des côtés, eh bien, Bois-Caléa a le résultat qu'il faut, mais des côtés tout, tant qu'au tabac, tant qu'au torsel, tant qu'au zone Vitilomio, et tant qu'au Canaran, zone Dief, eh bien, next à eux, c'est fait et défait, il y a plus de kidnapper les gens, et puis la police nationale lui-même, eh bien, et gonflé 20 nids. Dans zone et village là, il y a toujours gonflé venio. Dans zone village là, nous ne connaissons pas exactement qui ça a réglé. Est-ce que tout le monde a bien pénétré, a arrivé bien pénétré sur tout le monde. Mais un fait clair, c'est que Negio et yo barré espace village là, yo barré espace et monsieur Grand Avenue pas qu'à sortir pour aller faire kidnapping dans la capitale là. Mais c'est que il y a toujours des amis dans mais yo, il y a fait recette sous Matissan. OK, il y a fait recette sous Matissan, la police pas présent sous Matissan, mais la police présent sous Bicentenaire. Donc ça veut dire que la police présent sous Bicentenaire. OK? Donc yon moun ki a perdu du temps ou passé sous Matissan, c'est où ka konnen avec monsieur qui ça arrivo. Donc ça arrivo libre parce que journée aujourd'hui là, la police pas gagne contrôle en bas Matissan. Mais pour le cas de Bicentenaire, c'est que la police a contrôlé, la police en dit, la police gagne pied la tête. Sous Bicentenaire, face à Village de Dieu, côté monsieur pas qu'à sortir, tant que j'ai ça, t'es fait, n'est-ce qu'on a kidnappé moun, pour descendre en bas village avec yo, pour monter grand avin avec yo, je ne veux dire, ça n'a pas fait encore, et c'est ça que faut, et c'est face à Bois-Caléa, ensemble avec la police nationale, qui permet que, je ne veux dire là, bagaille ça, arrivé, fait, l'ouko des yeux. Donc, maintenant, pour nous conclure, nous allons nous dire à ce week-end, et bien, et rendez-vous, et par l'autre côté, séance de stress, et puis, gagner, et fondation, et gagner une fondation ça et qui lui-même a travail pour le capable organiser une activité une fundraising. Donc c'est Haitian United Foundation qui au même té déjà porté collé avec divers timoun nous connaît dans Kafou dans centre d'accueil Kafou hein? et dans même sens tout nous connaît et ben et groupe ça qui c'est Haitian United Foundation et ben il y a fait un fundraising dans date 8 juillet qui vient là. Donc, dans la capitale New York, et qui donc, fundraising ça, qui va permettre à ce que vous avez une possibilité pour aider plus de monde qui est dans la rue, plus de monde qui a des difficultés. Donc, dans le même niveau qu'à fois, on a parlé, Louko Désir, et gagner, et un ensemble de monde qui a fait des rumeurs circuler sous commune, sous base que, il y a des bandits à exam qui prennent envahir zone. Donc, n'a pas un démenti formel dans la mesure où, et selon l'information nous gagnons, par exemple, ça, c'est des rumeurs cap alimenté pour que capable de déblouser dans la commune, mais la police a contrôlé entre et sorti tout le monde dans la commune Kafou. Donc, ça veut dire que nous avons dit là, et question à faire nèg examen pour l'envahir la commune, pas de mal comme ça, ok? Et population très véatif,
y a plus en haut, y a plus en bas. Avec un nègre exam a sorti. Et alors pour un nègre exam t'a sorti, et pour sortir village de Dieu, pour sortir Gravine, mais faut t'a passer par Tibois. C'est d'après le complot anti-Bois avec Gravine avec village de Dieu. Mais nous connaissons, en pile monde connaît tout. Même en pile monde dans la commune, il faut connaître que nègre Tibois toujours bloqué monsieur Gravine avec village de Dieu, qui toujours gagne, qui toujours besoin de mettre tentacule, toujours besoin d'entrer dans la commune. Donc, M. Tibouayo, si tu as entendu un bail comme ça, fait, eh bien, c'est un complot entre M. Tibouayo avec M. Gravigno. Mais je ne veux dire, il faut nous dire que M. Sayo, M. Tibouayo, pas d'intérêt parce que la commune Kafou est liée avec Fontamara. Donc, si M. Yo, tu as quitté M. Village de Dieu, tu as quitté M. Gravigno entre Kafou, eh bien, c'est un gros causé, c'est un problème sérieusement, mais il est difficile. Si tu as entendu un bail comme ça, fait, eh bien, c'est seulement. C'est si et seulement si monsieur Tibouayo a laissé passer. Parce que dans le moment où on a parlé là, c'est que la situation, j'en présente là, c'est que c'est difficile pour que monsieur Grand Abin, monsieur Village de Dieu, t'a envahi comme une café. OK?